Tu veux-tu dire qu'est-ce que ça fait avec ta femme aujourd'hui? Je suis en train de terminer de faire le dîner. En fait, c'est dans le four, fait que j'ai plus vraiment rien à faire. J'ai fait une quiche, puis il me restait du mélange, fait que j'ai décidé de refaire les espèces de petites mini omelettes, comme ça. La quiche est dans le four, je viens de mettre le fromage, fait que juste attendre que ce soit un petit peu plus cuit, croustillant, bref, sur le dessus. Fait que cette fois-ci, j'ai mis oignons, champignons, épinards par-dessus du fromage. J'en ai déjà mangé parce que ça a l'air trop bon. Et j'ai faim. Aujourd'hui, j'ai écrit un statut, une publication sur ma page Facebook pour remercier la personne qui avait pris en charge Annabelle. Il l'avait emmené au kiosque d'information hier. Je sais pas si ça va se rendre à la personne, mais en tout cas, je serai éternellement reconnaissante qu'il n'y ait pas une catastrophe qui se soit passée et qu'elle l'ait pris sous son aile là, durant ce temps. Bref. Tu sais, je veux pas y penser, mais je me le dis, si on l'avait pas retrouvée, oh mon Dieu. Faut pas que je pense à ça. En tout cas. Fait que aujourd'hui, rien de vraiment prévu. Là. On a tout le temps plein d'affaires à faire. Puis on dirait que je suis juste déçue quand je les fais pas. Fait que je veux pas me mettre trop de pression. Mais demain. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Demain, Fred y travaille. Puis là, la personne qui était censée venir chercher ça est pas venue hier. Là. C'est comme dans les jambes. Avoir su, je l'aurais laissé en haut en attendant. Mais non. Fait que c'est ça. Puis finalement, je vais donner cet aide-là à une abonnée. Je sais pas quand. Mais j'ai dit qu'il y avait plein de thé que je buvais pas. Fait que voilà. Ça fait partie de la petite gang de thé que je buvais pas. Fait que je vais lui donner ça éventuellement quand on va se voir. Fait que c'est ça pour le moment. On s'apprête à habiller les enfants pour aller dehors parce qu'on va aller porter tout. Ma table, c'était le carton! Ouais. On s'apprête à aller porter tout ça pour une genre de trappe de vêtements, là. Fait que il y a vraiment de tout, des souliers, des chapeaux, des manteaux, des sacoches, il y a du linge de maternité, du linge de tous mes enfants, des manteaux à Fred, et bref, il y en a pour tous. Fait que il y a même des petites couvertes de bébé, des petites doudous, toute la patente. Fait que on a beaucoup de sacs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 gros sacs. Que ça fait du bien de donner. Ça fait du bien de donner, puis j'espère transmettre ça à mes enfants. Je pense que, quand même, ils sont capables de donner à leur tour, comme là, je vous ai parlé de ça. Ben, quand nos enfants sont capables de dire, OK, on va donner nos jouets à d'autres enfants, ben, c'est quelque chose de, pour moi, d'exceptionnel. Okay. Je trouve ça vraiment merveilleux. Fait que voilà, je m'en vais porter ça avec Fred. Puis là, je pense qu'il est au téléphone, il a reçu un téléphone important. Et il pleut dehors. Je vais faire des allers-retours à l'auto toute seule avant qu'on habille les enfants parce que je veux pas qu'ils soient mouillés sous la pluie. Donc voilà. Yeah. Thank you.
voici l'assiette. L'assiette, le plat. Une fois que Catherine a eu complété de faire la cuisson. Des linguini au pesto et aux crevettes. Ça semble délicieux. Tu veux-tu dire qu'est-ce que tu as fait avec ta femme aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait à ma femme? T'as publié une photo? Oui. J'ai publié une photo de toi dans ton accoutrement de gala artiste. Sur mon compte Instagram. L'entente est de 50 kilos par voyage, Teddy. Puis je t'ai tagué dessus. Ok, bye. Ça, c'est pas mon problème. On écoute quoi? Protection.